Et bonjour à tous les Breakers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GTA 4 pour l'épisode 6. Avant de commencer l'épisode, je vais déjà vous signaler j'ai reçu pas mal de messages, j'en ai au moins 4 ou 5 minimum qui me disaient qu'ils recevaient pas les notifications pardon pour les épisodes sur GTA 4. C'est quand même assez bizarre. Apparemment, c'était vraiment que pour GTA 4 que les notifications n'arrivaient pas. Donc n'hésitez pas, je vous fais un petit rappel et je pense que je vais le faire dans plusieurs vidéos pendant jusqu'à la fin du mois. Oui, n'hésitez pas à désactiver la cloche et à la réactiver derrière parce qu'il arrive que avec l'algorithme de YouTube, il y ait pas mal de bugs et donc les notifications n'arrivent pas toutes. Donc vous cliquez sur la cloche et vous mettez toutes les vidéos, comme ça vous êtes sûr d'avoir pour les vidéos et quand je vais refaire des lives, parce que les lives tarderont pas à revenir sur GTA 5 et GTA Online. Donc voilà, c'était juste le petit point. Donc pour rappel, on devait aller voir Little Jacob pour voir son boss Badman. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. J'avais pas garé de véhicule là. Bon, par contre, je vais ranger mon... Ouais. Tiens, on va prendre celle-ci. Une petite Merco. Donc voilà, je vous ai posé pas mal de questions par rapport au trajet. Alors pour les trajets, la plupart, vous m'avez dit... Soit... Enfin, en fait, c'était partagé. Il m'avait dit soit de couper, soit de laisser. Pardon. Et il y en a qui m'ont dit de laisser avec... quand c'est les voitures de sport, genre Turismo et tout. Donc, du coup, je pense qu'on fera ça. Quand ça sera avec des grosses voitures, je laisserai le passage du trajet. Et puis, quand ce sera une daube... Et bien tout simplement je suis prêt. Donc là je vais aller chez Little Jacob. Alors je sais pas s'il est loin ou pas. Ouais, il est un petit peu loin, donc on se retrouve là-bas, ça sera plus simple. A de suite. Ok, on est devant chez Little Jacob. Par contre j'y pensais, je vous laisserai pendant l'émission les trajets, je vais vous les laisser surtout au début et vers la fin. Parce que vous savez, les personnages dialoguent, donc il y a du dialogue, il y a même... Il y a le même les sous-titres et tout, donc quand c'est comme ça, je le laisse par contre, parce que c'est important de lire un peu l'histoire et tout ça, quoi. C'est important de comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc allez, on est parti. Hey! Hey boy, don't move! Fuck, don't move, boy, how are you? Eh? Where you come from? How are you? Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what going on there, sir? Some boy does a beat off the door. So boy that say call himself Nico, say he wanna see a road boy. Nico? I'm a boy that bad man, man. Yo, free up the boy, man, yo. Your boy that? Yeah. Sure. Boy that, come on, yo. Come on, upstairs, go talk to Nico here for one thing, man. You wanna control the taxi? You know, when you have people to knock on people door and thing, you have to be careful and thing. No, it's okay. Yeah, man, see, you tell? Hey, don't you worry have to watch about what it. You're doing, you know. See, your boy over there, son, Nico. Go deal with him, see him there. Oh, I'm Nico. You all right? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy ramp with bad man, you know. I'm gonna ask you a favor. Go on now. Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing, and the boy them sell some things and thing, and I go on and I say, oh, them don't want to give me my money and thing, and every corner my corner, and want my money and thing, you know. I no sweat I go, you know. I want to deal with the case proper, you know, see it. All right, let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting them in. Okay. So when you go down there and deal with them. See? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You worry about cheap? We not worry about cheap, you know. The boy them dip on the corner, me say the boy them other things on my corner, that and thing. And I say every corner on my corner, and thing. I'm going to write that to the boy them. I go on and say, oh, they want to give me my money. Oh, something go on with that. All right, hear me now. What Batman is saying is, the boy them are some novice, seeing? You go find him when you go up on the corner of Alpha and South Bowen. Seeing? When you go down the side, you go see him and just deal with them, seeing? Right, you'll find out how them work, all right? All right. All right. You want some of that spliff, yeah? No, thanks. You sure? I'm sure. All right, respect. Mario, pass me some of that thing we have over there, sir. All right, yeah. Hold that, King. Comme il l'a gavé, Batman. Va trouver le dealer à South Bowen. Alors, c'est où ça? Ah bah oui, c'est un petit peu loin.
Allez, on va faire un petit peu de route. Ah, ça c'est le GPS. Parce qu'avant il y a le GPS, on peut même... Certaines voitures, il y a même la voie. Turn is right, turn is left. C'était super bien fait ça aussi. Bon bref, de toute façon il n'y a pas trop de dialogue vu que je suis tout seul les potes, donc ce que je vais faire c'est qu'on se retrouve là-bas, tout simplement, à de suite. C'est ça qui était dingue aussi, dans le réalisme jusqu'au bout. Hein. On devait s'arrêter pour payer les péages pour pas tirer l'attention. Là c'est le flic, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, c'est bon. C'est pour ceux qui voulaient voir un peu New York, il y en a qui m'ont demandé, voilà. Vous voyez un petit peu, j'en profite là. Alors en fait on va sur la deuxième île, qui est au-dessus. Bonne journée monsieur. Donc je vais remonter, voilà. Bah regardez, là on a une petite île, mais c'est une île industrielle en fait. Hein. Et là on va sur celle-là maintenant, on va découvrir un peu celle-ci. Et après on ira sur celle-ci et ainsi de suite. Vous m'avez parlé de la Sultan aussi, mais la Sultan elle est, si je me trompe pas, elle est ici. Enfin elle est sur la troisième île quoi, ça c'est sûr. Donc la Sultan pour l'instant, la Sultan RS, je peux pas la récupérer, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour la Sultan RS si vous en avez envie, y a pas de souci. Voilà, je vous montre un petit peu là, vite fait. Et puis bon, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais tout simplement, on va aller jusqu'au bout de la route ensemble. De toute façon, on est presque arrivé. Bon, là, en plus, avec les améliorations de graphisme sur PC, il est vraiment beau, GTA. Hein. Vraiment, c'est vraiment appréciable. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo. Il y a un nouveau mode qui est en train de se mettre en route pour GTA 5 PC. Un mode bah, comme d'hab ultra réaliste mais qui améliore vachement GTA 5, qui le rend presque photoréaliste en fait hein, et c'est complètement dingue. Je vous fais une petite vidéo dessus dans la semaine je pense, soit mercredi ou vendredi, non pas vendredi parce que donc ce sera soit mercredi soit dimanche, on verra, je vous montrerai un peu si c'est un truc de dingue quand même. Bon, on va arriver, on est sur place. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Là, je m'en souviens plus. Je suppose que c'est les mecs là, ouais. Some good shit. You done clean me out. Yo, I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Ok. Suis le dealer à pied jusqu'à son fournisseur. Reste derrière lui et essaye de ne pas te faire repérer. Ok. Bon, on va marcher tranquillement. Hein. Ah. Des fois j'ai des soucis de performance. Il va falloir que j'améliore mes... Que je rajoute des RAM à mon PC parce que... Parce que c'est vrai que c'est pareil. J'ai envie de vous faire plus de vidéos sur les modes GTA. Mais genre les modes intéressants quoi. Les modes ultra réalistes et tout. Là, pour faire des vidéos jolies dessus. Ah, je m'appelle Roman, c'est pas le trop moment. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. State your name, gangster. Et du coup, il faut que je rajoute des RAM à mon PC, quoi. Il en manque un peu. C'est vrai que j'y connais pas trop au niveau de montage PC, donc il faut que je regarde. Je sais même pas combien ça coûte, les RAM. S'il y en a qui s'y connaissent un peu, bah profitez-en, dites-moi un peu quelques infos là-dessus. En commentaire, hein. Ça fera toujours plaisir. Ok, il est rentré là. Ah ouais, mais je crois qu'on va monter à un étage et tout, je crois. Il y a un délire comme ça. Ouais. Ah non, il va là-bas. Ah, j'étais persuadé qu'on montait. Ah non, il a traversé le bâtiment. Ok. Oh, excuse mec, je t'avais pas vu. Bon, normalement on est cramé 50 fois avec le bruit du grillage, mais bon. Ça reste un jeu. Yo, back off me, bitch!
Ok, then I'll chase you. Ok. Bon, visiblement, il m'a repéré, je sais pas comment ça se fait. You're gonna get punished, son. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, au calme, tranquille. Heureusement qu'il était pas un étage en dessous, mais... J'aurais pu se faire pisser dessus. Oh, ça s'embrouille, là. Ok, c'est là-haut. Tire sur la serrure pour... Shit! He's coming in! You got us killed! Make me kill you, scumbags! This is it! You like? You should have run away from me. Ça c'est fait. Petit nettoyage à l'improviste. On pense que j'ai presque plus de cartouches de pompe, faudra que j'en rachète. Ah, je crois qu'on a fini. Tell Batman that I got rid of the competition. Righteous. The corner belongs to I again. And nobody gonna fuck with Ice Corner no more, no things. One love, Nico. Ok, bon bah voilà. Mission sympa, pas trop compliquée. Pas la meilleure qu'on ait eu à faire non plus, mais bon. Ouais, on va redescendre là, ça sert à rien. Alors. C'est par ici la descente. Ouais. Allez, let's go. Et puis, bah du coup... Ah ouais, j'ai un SMS là. Ça devait être le message de tout à l'heure, quoi, 9, passe me voir, one love. Will Batman. Ok, il m'a pas renvoyé de message. Bah, du coup, je pense qu'on va aller... Ça fait combien d'étages déjà? On va aller faire la mission de Faustine, hein, du coup. Donc, là, je vais couper là. Et puis, on se retrouve vers chez Faustine quand j'arrive là-bas. A de suite, les potes. Ah, bah peut-être pas en fait. Alright, my man Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? It's a funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of calling that for you, you know. That sounds good. Wicked man. Give me a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, brethren. Ok, bon bah on va aller continuer Little Jacob. Tu peux maintenant faire des boulots supplémentaires pour Jacob. Appelle Jacob en sélection l'option boulot sur son téléphone. Bon, ça fait quoi? Répertoire. On va voir. Hey, I'm looking for something to do. Are you and Batman in need of a delivery boy? Irie, Batman's hoping to give us a call now. There'll be a package waiting for a mafia brother like you in a car by the cafe, you know. The business deal be happening with the man in a Beachwood City. Later on, my brethren. Le paquet est dans la voiture. Et la voiture, elle est ici. Ok. On va faire juste pour voir. Hein. Mais je pense que c'est une mission secondaire, en fait. Bon, c'est pas grave, on va la faire là. Allez, je vous retrouve là-bas, parce que là, du coup, ça va être un petit peu long, le chemin. A de suite. Allez, on est arrivé devant le café. Ah oui, c'est vrai que c'était les vieux tacos comme ça, là. C'est un délire, ça, à conduire. Fait de la fumée de partout, là. Énorme. Oh, l'orage. Putain, il pétait bien dans GTA 4, oh. La vache, je m'en souvenais pas de ça. Apporte le paquet à Ins avant 1h45.
ça va être tendu là, non? Surtout qu'il y a de la circulation. Non, bah non, c'est juste là en fait. Oh, le bruit que ça fait! Tu sais quoi? Ok. Ouais, c'est vraiment une mission secondaire en fait. Ok, c'est fait. The package is where you wanted it, Jacob. Nice, Jacob. Now the friend of a bridge in the star. Come if you want to make another delivery, see? Allez. Eh ben voilà, on a fait ça, au moins on aura vu ce que ça donne. C'était vraiment une mission secondaire, quoi, comme je disais. Bah, du coup, on se retrouve, on va aller chez Faustine. Donc, je coupe et on se retrouve là-bas, comme d'hab. Ok, on est devant la mission de Faustine. On va se garer là avec notre vieux taco, on s'en fout. Final Destination. Ça se dit plutôt Final. Ok, nema problema. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good, I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, oh. Hey, meet my girl, oh. Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. Little delicious. Oh. A little connection. Mikhail. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, yeah. You can have your alte Katrina. Come on. Not no that. Big deal. Private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. See you. Keep it warm. Later, I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes, you know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I am not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please, don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. Oh, oh, oh. Il y a un rat volant, un pigeon là, non? Ouais, il doit être par là-haut. Bon, de toute façon, on les fera plus tard, ça. Donc, bah ouais, mon taco, il est où? Ah, il est là. Et ben, on va aller à Bohan, à nouveau. Bon, je vais devoir à nouveau couper, c'est pour vous. Surtout que j'ai pas de voiture de sport, donc on peut pas dire je vais rouler avec. Bon, dans tous les cas, les potes, je coupe là, et puis on se retrouve après. À destination, à de suite. I've changed my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue Station. Go to the platform and
get rid of that rat. Shut up, Dimitri, for the last time. Élimine Lenny sur le quai de la station. Ok, bon, on y va. Mais du coup, j'ai dû rallumer en cours parce qu'il y a eu l'appel, j'aurais peut-être... Le problème, c'est que même si je décroche pas, bah Nico décroche tout seul, donc... Bon, vous avez pas raté grand-chose, hein, vous inquiétez pas. Donc, bon, on va aller jusqu'au bout, là, comme ça. Vous avez remarqué, j'ai changé de voiture entre deux parce que ouais, l'autre m'a ramené un peu trop, là. Ça devenait un peu relou. Enfin bref, allez. What in the holy hell? Call air support. Ah mais il est, ah oui là il est là, oh, ok c'est là. Faut monter ici. Ah mais oui je m'en souviens de cette histoire. It's nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! He's enough of a somebody to get you killed. Do what my brother... Don't make me kill you. You son of a bitch! I'm gonna be here. Keep him busy. Faustin, I'm about to be crazy! Okay. Là, il est juste là. Ta putain de caisse, dégage de là. Allez, ça c'est fait. Et on a gagné une banshee en plus. Pas beau ça? Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Eh ben... Les embrouilles continuent. Sympa cette mission, mais putain, j'ai cru qu'il allait se barrer. Hein. Avec ce putain de métro là qui m'a gêné. Ah, ces endroits, ça me rappelle le online, là, quand on faisait des deathmatchs là sur cette île et tout. Là. C'était un truc de dingue. Bon, et ben, on a encore bien avancé. Et ben on va retourner chez Faustine directement maintenant. On va faire un petit tour de bagnole. Histoire de. Ah, message de Roman. Nico, viens me voir au dépôt. Je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Oh. Ça c'est où? Ouais, ah bah c'est plus chez Roman. Donc du coup, on va aller chez Roman. Je vous laisse un peu de gameplay en, avec la Banshee. Comme ça, ça vous fera plaisir. I'm sorry, it's an ugly city. Bon allez, on va arriver
Ah, ça fait plaisir de conduire une bande-ci de GTA 4. Enfin, je vous ai mis un petit peu le mode cinématique. J'espère que ça vous aura plu. Not funny. Ça, c'est, par contre, c'est dingue, les niveaux de freinage. Là, dans GTA 5, j'ai freiné pile poil. Normalement, dans GTA 5, normalement, j'aurais pas dû le toucher. Mais là, il faut vraiment... Regardez, le temps que ça met à s'arrêter, c'est un truc de dingue. Hein. Pardon. Pardon. Allez, on arrive au dépôt. Aïe. Login on. We'll just get there. Damn these people. Hey Roman. Ah putain, oui, d'accord. Je l'avais oublié. Brucey, have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? No. In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey is a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Yeah. The milk. The dobjem preko interneta. Mislish da sam loot? Vos cybercafés. Bon, bah, on va faire cette mission, les potes, et puis on arrêtera. Hein. Peut-être que l'épisode sera un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Des fois, c'est un peu plus court. On va juste faire ça, c'est pas bien long. C'est à 2-3 rues d'ici. Et puis on, bien sûr, on sauvegardera la Banshee pour se la mettre de côté, comme il y en a qui me conseillaient de faire. La mettre au parking de l'appart. Allez, on va la mettre là. En espérant que je me la fasse pas voler. Normalement, ça devrait pas être le cas. Ah ouais, mais mon patch passe avant. Priorité à droite. Ah ouais, mais non, j'aurais dû te laisser passer en fait. Non, c'est pas grave. Hey there. My name's Nico. Bonjour madame. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Il est bon pour un teubé. Allez. Les fameux ordinateurs. Ça avait commencé dans GTA 4. Utilisez les déplacés pour le curseur, donc on va aller. Web. Ok, tu es maintenant en ligne. Voici la page d'accueil, ok. On a un email, c'est ça? C'est un mode de réception, l'équipe d'Enfine Mail, bienvenue chez Enfine. Félicitations, vous êtes le dernier utilisateur en date qui a choisi de s'inscrire. Je suis de répondre à cette mail, échanger information. Ah, ça a des... ouais, on s'en fout, ok, répond. On va répondre positivement. Vous voyez, ça aussi, c'était super bien fait, quand même. Hop, ok, ensuite, ton compte est activé. Appuie sur B pour revenir à la page précédente ou clique sur le bouton précédent dans la barre du navigateur. Ok, LB pour revenir au bureau. Tu peux aussi cliquer sur l'icône logout. Alors ça, c'était quoi ça? Ah, sort du cybercafé. Ah ok, bah il y avait juste ça à faire, c'est sérieux? Brucey ajouté, ok. Bon. On va aller à la porte. Allez. I've set up the email account.
I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties down there, huh? Later on. Ok. Bon, on a encore bien avancé, on a fait quelques missions. On a fait deux missions d'histoire, quoi. Ou trois, je sais même plus. Allez, on va se garer là. On pourra même en garer une deuxième de sportive. On va essayer de pas les perdre, on va essayer de les amener le plus loin possible. Par contre, ferme la porte, ça serait bien. Allez, on va aller sauvegarder, faire un petit somme comme d'hab. Et puis ça sera donc la fin de cet épisode 6, les potes. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, le pouce du soutien si ça vous a plu, le gros pouce bleu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Pourquoi pas le partager. On va attendre que Roman appelle. My friend Brucey has a business proposition for us. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. He's going to send you emails about all the cars he wants and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Eh ben, on fera peut-être des petites vidéos en dehors de l'histoire, alors. Pour aller chercher les voitures. On verra comment ça se passe. Si jamais ça vous dit, peut-être des petites vidéos pour aller chercher les voitures de la liste de Brucey. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les potes. De toute façon, si je le fais pas en épisode, on va dire hors contexte de l'histoire, je le ferai dans l'histoire, hein, mais parce qu'il y en a quand même plusieurs, à mon avis. Enfin bref, comme je vous ai dit, le pouce bleu, le commentaire pour dire si ça vous a plu et tout ça. N'hésitez pas à partager aussi, ça peut m'aider fortement, vous le savez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le crew de GTA Online, qui est aussi... tous les liens, de toute façon, sont dans la description, pardon. Merci à tous d'avoir visionné ce 6e épisode de GTA 4. On se retrouve pour le 7e samedi. Encore merci à tous. Ciao.